Bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis contente de vous retrouver parce que voilà, j'ai fini le dernier article de cette petite série de chez DI Digital Art. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 2 octobre. Le quatrième article de cette petite série est terminé. Voilà, et c'est le petit chat avec son coquillage, celui-ci. Voilà. Alors aujourd'hui, le temps est un peu bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression que de la flotte. Donc, j'ai pas une luminosité géniale. Donc, voilà. Alors, ce petit chat, il est trop beau. En fait, sur la photo, je le voyais un peu flou. J'avais peur que ça rende pas terrible, puisque en fait, le coquillage, je le trouve assez paliche. Je le trouve assez palichon au niveau des couleurs. Mais finalement, il rend super bien. Il est trop beau. Alors, il est fabriqué comme le chat multicolore que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Il est aussi sur du bois, voilà, pareil, avec un socle qui a été peint en noir. Il est trop beau. Il est fait que de strass, voilà. Il n'a aucun diamant spécial, celui-ci. Il n'a pas beaucoup de couleurs, il n'y en a que 5, hein. On est sur un dégradé de marron clair gris pour le fond, du noir pour donner un peu de relief à ces petits pois-poils là, des beaux yeux bleus. Et donc ses petites oreilles, son petit nez et le beau coquillage sont faits en strass rose. Voilà, vous voyez, ça brille. Ouais, malheureusement, on arrive sur les mauvais jours et plus ça va aller et plus la luminosité va être un peu compliquée, hein. On va être obligé de réutiliser nos lumières artificielles, malheureusement. Voilà. Il est trop choupi, trop choupi. Et comme je vous disais dans les vidéos précédentes, ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir en retrouver d'autres modèles. Alors, je cherche aussi bien chez mes partenaires que sur les autres boutiques. Mais je sais pas, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour puisque je n'en retrouve pas d'autres. Alors, ce superbe petit chat avec son petit coquillage, vous voyez, il écoute la mer parce qu'il paraît que quand on met son oreille sur un coquillage, on entend le bruit de la mer. Alors, chez DI Digital Art, ce petit chat coquillage, il est au prix de 6,75 $. Voilà. Comme d'habitude, hein, je remettrai toutes les informations dans la barre de description. Voilà. Alors, bah en même temps, je vais vous faire une petite revue complète. Je les ai pris à côté de moi. Voilà. La petite collection complète qu'a bien voulu m'offrir DI Digital Art. Voilà. Un petit lot complet d'ornements de bureau. Donc les deux chats là qui sont sur des supports en bois et la lampe champignon et la fée clochette qui sont sur des supports en plexiglas. Vous voyez, ça fait, hein, vous voyez peut-être pas trop parce que vu qu'il fait jour, mais vous avez pu la voir dans dans la vidéo de revue qu'il y a une guirlande lumineuse qui clignote en plusieurs, comment on dit déjà? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Il y a plusieurs, mais comme les guirlandes de Noël, hein, plusieurs intensités différentes. Voilà. Donc, on va se faire un petit rappel. J'ai pris mon carnet à côté de moi. Alors, donc le petit chat coquillage que je viens de vous présenter, donc sur socle de bois, chez DI Digital Art, il est au prix de 6,75 $. Le chat multicolore que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, il est composé de 10 couleurs, il est aussi sur un socle en bois et il est au prix de 9 $ dans la boutique de DI Digital Art. La lampe champignon avec sa guirlande lumineuse, elle est faite de strass et de diamants spéciaux. Elle a 9 couleurs et chez DI Digital Art, elle est au prix de 12 $.
Et pour terminer, donc, cette superbe fée clochette. Bon, franchement, je l'adore, elle est trop belle. Un effet contraste, elle a 6 couleurs. Et chez DI Digital Art, elle est au prix de 9,50 $. Voilà. Je vous ferai un petit récap de la totalité de ces articles dans la barre de description. Donc, vous aurez le lien pour aller sur la boutique de DI Digital Art. Vous aurez le code de réduction si vous voulez faire plaisir aussi bien pour ces articles que pour d'autres. Et vous retrouverez aussi le lien de chaque article. Sachant bien que la lampe champignon et la fée clochette font partie des nouveautés. Voilà. Je vais décorer mon étagère avec tout ça. Ça va être trop, trop mignon. Voilà. Écoutez, j'espère que cette série de 4 petites vidéos avec DI Digital Art vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à les faire, même si en ce moment, j'ai mon dos qui m'embête un petit peu. Voilà, moi, j'ai adoré. Voilà, je suis en kiff dessus. Je les voulais absolument. Et comme on dit, hein, DI Digital Art a exaucé mon souhait et mon rêve. Voilà, je suis trop contente. J'ai un très bon feeling avec cette boutique. J'ai un correspondant, voilà, qui est à l'écoute. Je trouve ça génial, en fait. Voilà. Vous retrouverez aussi mon adresse mail si vous voulez me joindre. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller exposer tout ça sur ma petite étagère. Écoutez, je vais les installer puis je vais vous faire voir. Et voilà. Voilà, vous savez, c'est le nouveau petit meuble que je me suis installé il n'y a pas très longtemps pour pouvoir ranger pas mal de choses de Diamond Painting. Dessus, voilà, j'y ai installé tous les chats que j'ai pu faire en ornement. Ça vient de différents partenariats, ça vient d'achats aussi, voilà, il y en a un, le grand rose dans le fond que j'ai acheté. Les autres viennent de partenariats, du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 chats, voilà, je suis super contente. J'ai un joli petit champignon qui clignote et j'ai une magnifique fée clochette, voilà. Ben moi je trouve ça sympa, en plus j'y ai mis mes petites gorgeuses. Voilà, c'est mon petit coin. Voilà, c'est mon petit coin, je ne sais pas comment dire, mais ouais, ça trottait dans ma tête d'avoir un petit coin comme ça déjà depuis longtemps. J'espère pouvoir remettre encore d'autres petits chats. Voilà. Écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et encore merci, DI Digital Art.